Jean de La Fontaine, un auteur universel assurément, qui, on peut le dire, fait l'unanimité. Vous lui avez consacré plusieurs expos, quantité de capsules vidéo. Comment est née cette passion pour La Fontaine? Pourquoi La Fontaine, finalement? En fait, c'est né quand j'étais petit, j'avais 8 ans, et j'ai eu la grande chance de devoir apprendre une fable de La Fontaine à l'école. Et cette fable, c'était le loup et l'agneau, et elle est restée dans mon cœur et dans ma tête toute ma vie. En fait, bien des années plus tard, une quarantaine d'années plus tard, je me suis rendu compte que mes propres enfants n'avaient malheureusement jamais pu apprendre une fable ou dû apprendre une fable à l'école. Je me suis dit, c'est quand même dommage que ces trésors ne soient pas plus mis en valeur. Ça a été une des motivations pour lancer cette chaîne YouTube qui s'appelle Récite-moi La Fontaine, qui englobe aussi donc cette nouvelle série Dessine-moi La Fontaine, faite avec quelques dessinateurs. Mon objectif, c'est de valoriser autant les gens qui participent à ces vidéos que les fables de La Fontaine, pour qu'elle soit accessible à tous de façon actuelle. Mise en illustration avec 5 dessinateurs de renom, ils vous ont surpris par les fils qu'ils ont su tirer? Ah oui, ils m'ont fait très plaisir. On a Gérald Herman, dessinateur de La Tribune, on a Bénédicte de 24 heures, on a Chapat du Temps, on a Heidi qui est la mère du chat Milton, et on a Adrienne Barman qui fait notamment des encyclopédies et des affiches. On les voit donc dessiner en direct, on évoque pendant quelques minutes La Fontaine, puis ensuite je leur demande d'illustrer une fable en direct. Et c'est merveilleux parce que chacun son style. Il y en a qui vont très très vite, comme par exemple Chapat, qui est un véritable virtuose. Il y en a qui sont beaucoup plus lents, pondérés, comme Herman, mais qui est une merveille aussi. Et puis il y a par exemple Heidi, qui s'amuse, on voit qu'elle crée son dessin, enfin qu'elle l'imagine en le dessinant. Et de pouvoir suivre le dessin qui se dessine, moi je trouve que c'est toujours magique. Il y a l'exemple de Chapat, effectivement, avec toute la modernité de La Fontaine que l'on ressent dans son dessin. C'est aussi ça, cette facilité de transcrire La Fontaine de nos jours. C'est juste, La Fontaine, il n'est pas seulement moderne, il est classique autant que moderne, c'est-à-dire qu'il traverse l'actualité. Ses fables ont été écrites il y a plus de 350 ans, puisqu'on fête le 400e anniversaire de sa naissance. Mais en fait, le problème, c'est qu'à l'époque, le français n'est pas le même que celui qu'on parle aujourd'hui. Il est très proche, mais les expressions ont changé, le vocabulaire a changé. Donc c'est très difficile à comprendre, même pour un adulte. Moi, quand je lis une fable, mon grand plaisir, c'est justement que j'apprends des mots. Ça m'interroge, ça me chatouille, parce que c'est toujours drôle et c'est beau. Vous voyez, La Fontaine nous fait apprendre quelque chose sans qu'on s'en rende compte. La Fontaine écrit « Il faut instruire et plaire ». C'est exactement ce que nous faisons.